le jour où Riyad Mahrez a humilié un élu français. La victoire de l'Algérie en Coupe d'Afrique 2019 a été célébrée en grande pompe en France. Après chaque match des Fennec, les Algériens de France faisaient la fête dans plusieurs villes de l'Hexagone. D'ailleurs, cela avait suscité la colère de l'extrême droite et des militants identitaires. Il y a 4 ans jour pour jour, le 11 algérien a battu le Nigeria en demi-finale grâce à un but majestueux de Riyad Mahrez. Un coup franc légendaire en toute fin de match qui a permis aux Fennec d'aller défier les Sénégalais en finale et remporter le trophée pour la deuxième fois de l'histoire. Sur le réseau social Twitter, les internautes se rappellent ce fameux coup franc, mais aussi, d'un tweet très particulier de Riyad Mahrez. Le joueur du Manchester City avait adressé une punchline à l'actuel député du Rassemblement National, Julien Odoul. Ce dernier avait souhaité, la veille de la demi-finale, la défaite de l'Algérie afin d'éviter selon lui les débordements des supporters algériens. Mais, c'était sans compter sur le génie de Mahrez qui, après avoir éliminé le Nigeria sur le terrain, est venu mettre KO l'élu français sur Twitter. En effet, le capitaine de l'équipe nationale a retweeté la publication de Julien Odoul avec cette pique, le coup franc était pour toi on est ensemble, accompagné des drapeaux algériens et français. Le tweet de Mahrez a été commenté et partagé des centaines de milliers de fois, faisant un énorme buzz sur le réseau social.